Ma personne, Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a pour habitude de dire que devenir riche demande du temps. Mais maintenant, j'ai une question à te poser. Le temps, combien de temps est-ce que tu estimes qu'il est nécessaire pour devenir riche? 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Enfin bref, dis-toi que la mauvaise interprétation de cette phrase a amené beaucoup de gens à assimiler richesse à vieillesse et pauvreté à jeunesse. Alors que tu sais aussi bien que moi qu'il n'y a pas d'âge pour être riche, il n'y a pas d'âge pour être pauvre. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner le résumé d'un livre qui va te démontrer que c'est possible de devenir riche rapidement et étant jeune. J'ai dit rapidement, je n'ai pas dit facilement. Donc, reste attentif. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Et tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble un résumé du livre Tant d'attitude de MJ DeMarco qui s'intitule L'autoroute du millionnaire, you know. Mais avant de continuer cette vidéo, j'aimerais d'abord remercier Emmanuel Toutoumé parce que c'est lui qui m'avait suggéré ce livre. Je ne le connaissais pas du tout et franchement ce livre est juste énorme. C'est en ce sens où il a déclassé tous les livres en ce qui concerne l'éducation financière que j'ai pu lire jusqu'ici parce que pour moi c'est devenu le numéro 1. Il a déclassé Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Il a déclassé Napoléon, il réfléchissait à devenir riche. Il a déclassé Ricardo Kanyamalaché, il a lâché la chair de ma mère. Il a même déclassé George Gleason avec son livre L'homme le plus riche de Babylone. Ceci pour te faire comprendre que ce livre est juste énorme parce que il a ceci de particulier, l'auteur, c'est que dans ce livre, en fait, il casse tous les mythes selon lesquels pour devenir riche, il faut attendre d'avoir 60 ans. Il casse tous les mythes selon lesquels pour devenir riche, on ne peut pas devenir riche rapidement. Et il va même jusqu'à clasher Robert Kiyosaki. Il clash George Gleason et son livre L'homme le plus riche de Babylone. Et dans ce livre, l'auteur est cru, il va droit au but, il a la rage, il ne mâche pas ses mots. Donc si les mots te choquent, si tu es sensible, ne le dis pas. Mais je te conseille vraiment de le lire parce qu'il est juste énorme. Et tu me diras que ouais, franchement, tu avais raison. Petit mot en ce qui concerne MJ DeMarco. MJ DeMarco, c'est un multimillionnaire, entrepreneur, mais aussi et surtout, c'est un investisseur autodidacte. Il a fait sa fortune grâce à un site internet qu'il a mis 5 ans à bâtir en passant 60 heures dessus minimum par semaine pendant 5 ans. Et donc 5 ans plus tard, il a revendu à une valeur de 7,2 millions de dollars. Et une fois qu'il a réussi 7,2 millions de dollars, il a fait quelques placements boursiers. Et ceci lui a permis de devenir retraité à l'âge de 37 ans parce qu'il n'avait plus besoin de travailler pour gagner de l'argent. Donc ma personne, dans ce résumé, je vais tout faire pour intégrer un maximum d'informations possibles. Mais je t'invite vivement à te procurer ce livre parce que franchement, il est énorme. Bon, ma personne, dans cette partie, MJ DeMarco raconte en fait son histoire. MJ DeMarco est issu d'une famille pauvre et a grandi dans une société dans laquelle les seuls jeunes et riches qu'il connaissait, c'était soit des stars de ciné, soit des footballeurs professionnels ou alors des célébrités dans la chanson. Et sauf que lui n'avait aucun de ces talents-là, donc lui se demandait comment il pouvait faire pour devenir riche, jeune, sans pour autant avoir un talent comme celui-là. Sauf que dans la société dans laquelle il a grandi, on lui expliquait que pour devenir riche, il faut aller à l'école, avoir un bon boulot, épargner 10%, réinvestir, et comme ça, il pouvait espérer devenir riche à l'âge de 50, 60, 65 ans. Sauf que ça ne l'arrangeait pas du tout, car il estimait que le meilleur moment pour être riche et profiter de sa richesse, c'est quand tu es jeune, c'est quand tu as la fleur de l'âge, parce que là, tu as toute l'énergie pour bien croquer la vie à pleines dents avec tes millions d'euros. Et donc, un jour, alors qu'il se promenait, il est tombé sur un monsieur qui avait une Lamborghini, et donc, il s'est passé quelque chose, c'est que MJ DeMarco a pris son courage à deux mains et il est allé à la rencontre de ce monsieur et lui a posé une question. Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie qui vous permet de vous procurer une telle voiture? Et le monsieur lui a dit, je suis un inventeur. Et donc, depuis ce jour-là, MJ DeMarco a su qu'il y avait un moyen pour lui, partant d'une famille pauvre, pour lui de devenir quelqu'un de multimillionnaire sans pour autant attendre d'avoir 60 ans. Donc ce jour-là, MJ a pris la résolution de commencer à étudier la vie de tous les millionnaires, mais pas n'importe quel millionnaire, des millionnaires qui sont partis de rien du tout et qui étaient jeunes. La moralité de cette histoire, c'est que il y a deux choses qui transforment la vie d'un homme. Les livres que cette personne lit et les personnes que cette personne rencontre. Ma personne, pour faire un voyage Douala Yaoundé, le chauffeur a besoin de deux éléments. Premièrement, c'est de se rassurer qu'il connaît le trajet. Et deuxièmement, c'est de s'assurer qu'il a tous les outils nécessaires pour mener à bien son voyage. Une bonne pression des pneus, avoir assez de carburant et avoir assez d'argent pour pouvoir traverser les péages. Quand il s'agit d'enrichissement, malheureusement, la plupart des gens se concentrent uniquement sur les voies qui mènent à l'enrichissement. Les gens vont notamment te parler de business, d'entrepreneuriat ou alors d'investissement. Malheureusement, ils négligent les outils qui vont leur permettre de pouvoir atteindre la richesse. Et ces outils-là sont le mindset. Le mindset, c'est l'outil le plus important pour ceux qui veulent devenir riches. Parce que dis-toi que pour pouvoir générer des millions, il faut d'abord devenir le type de personne capable de générer des millions. Malheureusement, la plupart des gens demeurent pauvres parce qu'ils veulent juste l'événement, avoir beaucoup d'argent, mais refusent le processus. Sauf que ça, c'est pas possible parce que c'est le processus qui forme les millionnaires. Petit exemple, quand ta mère va à la cuisine, le fait de cuisiner, c'est le processus. Et le bon plat de coque tout chaud avec le manioc tout blanc que tu reçois après, ça c'est le résultat, ça c'est l'événement. Quand tu révises tes cours, quand tu vas à l'école, c'est le processus. Et maintenant, ta mention bien au baccalauréat, c'est l'événement. Quand quelqu'un s'assoit pendant 5 ans à cracher les lignes de code à l'ombre, ça c'est le processus. Et quand il y a une société qui revient acheter son application à plus de 20 millions de dollars, ça c'est l'événement. Malheureusement, dans notre société, les médias ont tendance à mettre en lumière
l'événement et occulte le processus, alors que c'est dans le processus qu'on forme les millionnaires. Sur l'autoroute du millionnaire, le trottoir, c'est la voie occupée par les piétons ou les pauvres. Et donc, les pauvres sont caractérisés par une façon de penser. Première façon de penser, c'est que les pauvres n'ont pas d'objectif de vie. En fait, leur plan, c'est de ne pas avoir de plan. Tout ce qu'ils gagnent, ils dépensent uniquement. Eux, ils vivent au jour le jour parce que pour eux, on n'a qu'une vie. Donc, autant en profiter au max. Deuxième chose, c'est que leur unique source de revenus, c'est leur salaire. Troisième chose, pour eux, ils sont tout le temps des victimes. Tout ce qui leur arrive, c'est de la faute des autres. Ils ne sont responsables de rien. Quatrième chose, c'est que les pauvres pensent que pour résoudre leurs problèmes d'argent, il leur faut plus d'argent. Non, ma personne, on ne résout pas les problèmes d'argent avec plus d'argent. On résout les problèmes d'argent avec une discipline financière. 5. Les pauvres mettent beaucoup d'énergie à paraître riches plutôt qu'à devenir riches. Ils mettent beaucoup d'énergie à acquérir les symboles de richesse que nous expose la société, parce que la société nous laisse croire que être riche, c'est avoir une grosse maison, avoir une grosse voiture, avoir des bijoux en or, des bijoux en argent, avoir le dernier téléphone à la mode, alors qu'il n'en est rien. Parce que dis-toi que la vraie richesse se résume à 3 mots. La santé, les bonnes relations familiales et amicales et la liberté de choisir, la liberté de, surtout de disposer de son temps, mais aussi et surtout la liberté de faire ce que tu veux faire. Sauf que c'est l'argent qui te permet de pouvoir avoir une meilleure santé. C'est l'argent qui te permet d'avoir de meilleures relations familiales. Mais c'est aussi l'argent qui te permet d'avoir plus de liberté. Parce que dis-toi que pour acheter ta liberté, il te faudra de l'argent. L'autre caractéristique des pauvres d'après MJ DeMarco, c'est que les pauvres pensent que l'argent ne fait pas le bonheur. En fait, c'est une demi-vérité. Parce que dis-toi que c'est lorsque l'argent est mal utilisé que l'argent ne fait pas le bonheur. Je répète, c'est lorsque l'argent est mal utilisé que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que dis-toi que l'argent permet d'avoir une meilleure qualité de santé, l'argent permet de mieux prendre soin de ta famille, l'argent permet aussi d'avoir plus de liberté. Et donc ces trois éléments là sont des éléments qui peuvent te conduire au bonheur. Pour MJ DeMarco, les usagers de la voie lente, ce sont les médiocres. Les médiocres qui ici constituent en fait l'antithèse des pauvres, c'est en ce sens où les pauvres, eux, ils ont une politique du tout de suite, maintenant. Tout ce qu'ils gagnent, ils dépensent. Demain, pour eux, ne compte pas. Même si pour ça, il faut qu'ils s'endettent. Alors que les médiocres, eux, sont tellement soucieux de leur avenir. Ils sont tellement sérieux. C'est à quel point qu'ils préfèrent vivre une vie de privation pour espérer avoir une retraite confortable. Et le vice dans cette façon de penser-là, c'est que très souvent, cette façon de penser n'est pas remise en question. Pourquoi? Eh bien parce que très souvent, ce sont les personnes qui sont proches des médiocres qui les motivent à agir de cette façon-là. Parce qu'elles-mêmes, déjà, ont vécu de cette manière-là. Et donc, c'est ce qu'on dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, qu'est-ce qui caractérise les médiocres? C'est que très souvent, les médiocres pensent qu'ils ont beaucoup de temps, donc ils peuvent échanger ce temps-là contre de l'argent. Sauf que le vice dans le fait d'échanger son temps contre de l'argent, eh bien, c'est que quand tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, très vite, tu plafonnes. Et si jamais tu veux augmenter tes revenus, de deux choses, soit tu travailles plus, ou alors tu comptes avoir une promotion dans ton travail pour pouvoir gagner plus d'argent. Deuxième façon de penser, c'est que, deuxième caractéristique des médiocres, c'est que leur unique source de revenus, c'est leur travail. Bon, ma personne, je te vois déjà en train de psychoter. Ouais, moi je veux bien devenir riche tout en étant jeune, mais je suis sur la voie lente, comment je peux faire? Ne t'inquiète pas, ma personne. Il y a deux options qui s'offrent à toi. Si tu veux devenir riche, jeune, tout en restant dans la voie lente, première option, soit tu deviens quelqu'un de très célèbre et donc ta valeur extrinsèque augmente et donc les gens sont prêts à payer super cher pour pouvoir te rencontrer, notamment les médecins qui ont une grosse renommée. Ou alors, tu développes une compétence exceptionnelle, tu deviens quelqu'un d'incontournable et dont les gens seront prêts à payer super cher pour pouvoir profiter de tes services, notamment comme les PDG des super grosses boîtes. Bon, maintenant, ma personne, on arrive chez les riches, les usagers de la voie rapide. La différence fondamentale qui existe entre les usagers de la voie rapide et les usagers de la voie lente, c'est que dans la voie rapide, les gens deviennent riches en moins de 10 ans. Alors que dans la voie lente, les gens deviennent riches au bout de 30, 40 ans. Donc, les gens qui utilisent la voie rapide pour s'enrichir se caractérisent par les points suivants. Premièrement, pour les riches, leur valeur la plus précieuse, c'est leur temps et non leur argent. Deuxièmement, les riches investissent énormément en leur développement personnel parce qu'ils savent qu'ils sont leur ressource la plus précieuse. Donc, ils se forment continuellement. Alors que les usagers de la voie lente, eh ben, eux, dès qu'ils ont eu le diplôme, ils arrêtent de se former. Ça y est, c'est fini. Alors que le riche, il continue de se former parce qu'il sait que pour pouvoir capter de nouvelles opportunités, il faut qu'il soit formé. Troisième caractéristique, les riches savent que l'argent, la quantité d'argent qu'ils gagnent est en fait le reflet du nombre de vies qu'ils impactent. Dans ma personne, si tu veux faire des millions, débrouille-toi pour impacter des millions de personnes. Quatre, la destination des personnes riches, eh ben, c'est d'avoir des rentrées passives d'argent. Donc ça veut dire que pour eux, ils aimeraient que même quand ils dorment chez eux, eh ben, qu'il y ait de l'argent qui entre, qu'il y ait du cash money qui rentre. Donc pas besoin d'être au boulot pour gagner de l'argent. Et enfin, cinquième caractéristique des riches, c'est que leur source de revenus, c'est un système. En fait, ils ont bâti un système qui leur permet de gagner de l'argent. Ils ont bâti un système qui leur permet de gagner de l'argent même quand ils ne sont pas là. Cependant, MJ DeMarco met quand même en garde en ce qui concerne ceux qui confondent l'enrichissement rapide et l'enrichissement facile. Parce que très souvent, ceux qui sont tentés de croire qu'on peut s'enrichir facilement, eh bien, ceux-là sont très souvent exposés aux gourous de la finance qui proposent des plans d'enrichissement sur une semaine. Parce que dernièrement, j'ai reçu un message d'un membre de la communauté qui me posait la question de savoir si c'était vraiment vrai le truc de... Parce qu'un ami à lui avait proposé
d'investir 100 000 francs et qu'au bout de 10 jours, il aurait eu un retour sur investissement de 300 000. Mais Julien, il dit, à aucun moment tu acceptes ce genre de choses. Avoir un retour sur investissement en 10 jours de plus de 200%, c'est pas possible. Parce que si c'était le cas, je ne pense même pas qu'il t'aurait proposé cette histoire-là. Non, non, dans ma personne. Les choses comme ça, oublie. Devenir riche facilement, ça n'existe pas. Les trucs de marketing réseau où on te contacte, on te dit, ouais, tu mets 100 000, après 2 semaines, ça y est, ton 100 000 va produire 300 000, tu auras juste à t'asseoir chez toi. Ça, ce sont des conneries. Par contre, s'enrichir rapidement, oui, c'est possible. Par exemple, quand J.K. Rowling écrit le livre Harry Potter et qu'elle en vend des millions, ça, ça la rend multimillionnaire. Quand un adolescent s'enferme dans sa chambre pendant 2, 3, 4, 5 ans à cracher les lignes de code et qu'il réussit à mettre sur pied un jeu vidéo ou une application qui se vend à des milliards d'exemplaires, gagne des millions, ça, c'est l'enrichissement rapide. Quand quelqu'un s'assoit chez lui et monte un site et au bout de 5 ans, il revend ce site à une grosse société à hauteur de plusieurs millions de dollars, ça, c'est un exemple d'enrichissement rapide. Les riches ont compris que pour devenir riche, il faut produire et non consommer. Parce que l'une des différences fondamentales entre les riches et les pauvres, c'est que les riches produisent alors que les pauvres consomment. Et les pauvres consomment de plus en plus et c'est ça qui les rend de plus en plus pauvres. Ils achètent de plus en plus des symboles de richesse qui les rend de plus en plus pauvres. Alors que les riches, ils savent que pour consommer de plus en plus, il faut produire beaucoup plus. Donc comme ils produisent beaucoup plus, ils peuvent consommer à satiété. Oui, ma personne, tu es responsable de ta situation financière actuelle. Oui. Et puis comme le dit Bill Gates, si tu nais dans une famille pauvre, ce n'est peut-être pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, ça sera de ta faute. Et à ton avis, ma personne, c'est quoi la cause principale de la pauvreté? Eh bien, dis-toi que ce sont les choix que tu fais dans ta vie. Parce que oui, ma personne, la pauvreté comme la richesse, c'est un processus. C'est un processus dans lequel tu fais une suite de choix qui t'amène soit vers la pauvreté, soit vers la richesse. Chaque jour, tu vas être amené à faire des choix. Par exemple, ce matin, tu avais le choix entre te lever à 6h du matin pour aller réviser ou alors rester dans ton lit. Tu avais le choix entre regarder la télé, fermer ton cerveau, ou alors ouvrir un livre et donc ouvrir ton cerveau. Tu as le choix entre rêver de ta vie ou alors te lever le matin et pouvoir vivre ta vie de rêve. Les causes de l'échec résident dans les choix qu'on fait. Donc ma personne, tu peux décider aujourd'hui de commencer à faire les bons choix. Et donc, comment faire pour commencer à faire les bons choix? Eh bien, sache que pour commencer à faire les bons choix, il faut d'abord commencer à changer les pensées que tu décides d'adopter comme tiennes. Parce que dis-toi que si tu veux changer de vie, il faut d'abord changer ta façon de penser. Parce que si tu décides de penser que quelque chose est impossible pour toi, ça va devenir impossible. Mais si tu décides de penser que c'est possible pour toi de devenir un entrepreneur à succès et que tu t'en convaincs, eh ben, ton cerveau va se mettre en route pour générer les raisons de pouvoir croire que c'est possible et tu vas agir en fonction de ces motivations-là. Bon, ma personne, tu auras bien compris, si tu veux devenir riche, jeune, il va falloir que tu mettes sur pied un système qui te ramène beaucoup d'argent. Mais pour ça, il va falloir que ton business réponde à 5 commandements. Te shooter. Donc tu vois les gens comme ça, il faut les... Voilà. Je disais tantôt qu'il va falloir que ton business réponde aux 5 commandements qui vont suivre. Premier commandement, le commandement du besoin. Ma personne, on met sur pied un business parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a un besoin. On ne met pas sur pied un business parce qu'on aime ce business. Mais n'empêche, tu peux mettre sur pied un business parce que tu l'aimes, parce que tu aimes faire dans ça. Par exemple, si tu aimes faire de la peinture, tu peux monter un business sur la peinture. Mais il faut se poser une question au préalable. Est-ce que je suis suffisamment bon dans ce domaine pour que les gens puissent me payer pour le faire? Tu vois un peu, beaucoup de gens commettent l'erreur de se dire, ouais, parce que j'aime faire telle chose, il faut forcément que je me lance dans ce business-là. Non, non, les gens s'en foutent que tu aimes danser, chanter. Non, ils n'en ont rien à tirer. Ce qu'ils veulent savoir, c'est que, est-ce que le service que tu proposes résout un problème qu'ils ont, eux? Oui, c'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Par exemple, moi, j'aime bien danser, j'aime bien chanter, mais je suis nul. Je ne vais pas me lancer là-dedans parce que je sais que je vais jamais pouvoir gagner de l'argent avec ça. Non, ma personne, fais gaffe à ça. Deuxième commandement, le commandement de l'entrée. Ce commandement stipule que si le business dans lequel tu veux te lancer, eh ben, les barrières à l'entrée de ce business sont trop faciles à franchir, eh ben, ce business-là transgresse le commandement de l'entrée. En d'autres termes, si le business dans lequel tu veux te lancer est trop facile à monter, eh ben, tu auras trop de concurrence. Donc, pour s'en sortir dans ce genre de business-là, il va falloir être exceptionnel. Par exemple, pour ceux qui veulent se lancer dans le marketing réseau, on sait tous très bien que pour se lancer dans le marketing réseau, il suffit juste de faire un petit formulaire et de se lancer. Donc, si tu te lances là-dedans, ça va être très compliqué. Et puis, la seule personne qui s'enrichit vraiment dans le marketing réseau, c'est celui qui est au sommet de la pyramide. Les autres grattent juste quelques sous. Et puis voilà. Troisième commandement, le commandement du contrôle. Parce que dis-toi que ma personne, si tu investis dans un business dans lequel tu n'as pas le contrôle, eh bien, ton business transgresse le commandement du contrôle. Par exemple, s'il suffit que quelqu'un appuie sur un bouton pour que ton business s'arrête, ce business transgresse le commandement du contrôle. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, avait une stratégie toute simple, c'est que il n'investissait jamais un projet dans lequel il n'avait pas le contrôle. Donc à chaque fois qu'il investissait dans un projet, il s'assurait d'avoir des décisions stratégiques. Donc genre, il fallait que la décision qu'il porte ait vraiment de l'influence. Quatrième commandement, le commandement de l'échelle. En fait, si tu veux le commandement de l'échelle, consiste à te poser la question de savoir quelle est la portée de mon business. Par exemple, quelqu'un qui a une boulangerie, qui ne sert que les gens qui sont autour de la boulangerie, ce business transgresse le commandement de l'échelle. Donc, quand tu lances un business, demande-toi de quel levier est-ce que je dispose pour pouvoir avoir une portée beaucoup plus étendue. Et le meilleur levier qui existe en ce moment, c'est Internet. Parce que si tu as un business que tu réussis à mettre sur Internet, eh ben, tu as une portée mondiale. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et enfin, le cinquième commandement, le commandement du temps. Si tu veux faire de l'argent, il va falloir que tu dissocies ton temps de travail de l'argent que tu gagnes. Mais ça, tu l'avais déjà bien compris. Bon, dans cette partie, MJ DeMarco répond à une question cruciale. Parce que oui, pour devenir riche, il va falloir monter un système. Mais pour monter un système, il va falloir avoir une idée. Alors, comment trouver une idée? Eh bien, c'est tout simple.
pour trouver une idée, il suffit d'écouter les plaintes des gens qui t'entourent et ça te suffit pour avoir une idée pour monter ton business. Parce que si les gens se plaignent, ça veut dire qu'il y a un manque, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc toi, apporter la solution à ce problème-là te permet de gagner beaucoup d'argent. Parce que rappelle-toi toujours qu'un entrepreneur, c'est un solutionneur. C'est quelqu'un qui résout les problèmes des autres et en retour, gagne de l'argent. Parce que dis-toi que si tu veux résoudre tes problèmes d'argent, commence par résoudre les problèmes des autres. You know. Bon, ma personne, le problème avec les idées, c'est que très souvent, les entrepreneurs ont une très mauvaise interprétation du fait d'avoir une idée. Parce que pour eux, avoir une idée, ils pensent juste à une idée de génie, une idée révolutionnaire. Genre, par exemple, inventer une ampoule. Sauf que non, tu n'as pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire pour lancer ton business. Tu as juste besoin de trouver un concept qui n'est plus qu'il y a des manquements et toi d'améliorer le concept, c'est tout. Par exemple, Facebook. Facebook n'est pas le premier réseau social qui existe au monde. Avant Facebook, il y avait MySpace. Mark Zuckerberg a vu MySpace, il a amélioré le concept et aujourd'hui, il est le numéro 1. Ma personne, imagine par exemple que les fondateurs de Google s'étaient dit, de toute façon, il y a déjà d'autres moteurs de recherche, pas besoin de créer Google. Eh bien, tu n'aurais jamais eu Google, qui est aujourd'hui numéro 1 mondial. Donc ça, c'est pour te faire comprendre que tu trouves juste un concept qui a des manquements, tu l'améliores, ça te fait une idée business, pas besoin d'aller chercher sur la lune. Et puis toi, tu crois que sur 3, plus de 7 milliards de personnes, toi, tu vas trouver l'idée à laquelle personne n'a jamais pensé. La raison pour laquelle beaucoup de gens demeurent pauvres, eh bien, c'est parce que leurs idées restent dans leur tête. Ils ne les mettent jamais en œuvre. Donc, ma personne, si ton idée reste dans ta tête, eh bien, sache que même ton argent va rester dans ta tête. C'est aussi simple que ça, you know. Donc, sache que une idée extraordinaire qui n'est pas mise en œuvre vaut absolument zéro franc. Alors qu'une idée moyenne qui est bien mise en œuvre peut te rapporter une fortune. Par exemple, Apple. Concevoir un téléphone au 21e siècle, tactile et tout ce que fait les iPhones, ça n'a rien d'extraordinaire. Sauf que avoir un processus comme celui d'Apple, avoir un marketing comme celui d'Apple, c'est là qu'il y a la magie. Donc, ma personne, mettre ton idée en œuvre, c'est le processus. Alors qu'avoir juste une idée, c'est l'événement. Pas de processus, pas d'événement. Tu vois un peu? Et puis même, comment tu veux connaître la valeur de ton idée si tu ne la mets pas sur le marché? Dis-toi que le seul juge véritable d'une idée, c'est le marché. Donc si tu veux connaître ce que vaut ton idée, mets-la sur le marché. Donc si on suit cette logique, tu conviens avec moi que rédiger un business plan ne sert à rien. Parce que le monde change beaucoup en ce moment. Donc tant que tu peux rédiger un business plan qui hier pouvait te rapporter des millions, mais comme le monde change tellement, et bien demain, ça ne te rapportera rien du tout. Donc, ce que tu peux faire, c'est rédiger un plan d'action et te lancer sur le marché et rester flexible. Et écouter surtout le marché, parce que c'est le marché qui te donne la direction à suivre. Par exemple, tu peux commencer à te lancer dans un business de chaussures petite taille, sauf que je te rends compte que sur le marché, la demande sont des chaussures grande taille. Et bien, tu commences à vendre des chaussures grande taille, c'est aussi simple que ça. Alors, lorsque tu auras lancé ton business, il y a deux éléments clés qui pourront permettre à ton business de prospérer. Le premier élément, c'est le marketing. C'est le marketing. Parce que dis-toi que le marketing peut convaincre quelqu'un d'acheter un produit médiocre. Oui, oui, oui. Et iPhone le fait très bien. Apple le fait super bien. Parce que la vérité, c'est que tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si ton marketing est pourri, tu vas faire zéro vente. Alors que si tu as un marketing excellent, mais que ton produit est de moyenne qualité, tu peux faire quand même une fortune. Et puis dis-toi que quand tu te lances en business, la chose dont tu as le plus besoin quand tu te lances en business, c'est de te faire connaître. Donc investis à fond dans le marketing. Mais l'erreur que beaucoup commettent, c'est de se dire non, j'attends que mon truc soit bien, que ça me rapporte de l'argent avant d'investir. Non, c'est l'inverse. Tu donnes, ensuite tu reçois. Oui, ma personne, c'est comme ça que ça marche. Parce que dis-toi que si tu n'investis pas dans le marketing, que personne ne connaît ta marque, eh bien, ton produit va être super bien. Tu vas manger ton produit et tu vas disparaître avec ta compétence. C'est aussi simple que ça. Donc ma personne, investis dans le marketing. Et puis, il y en a qui, quand ils lancent le business, une fois que ça a un peu pris, ils arrêtent de faire du marketing. Non, non, ma personne, Apple. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils font toujours du marketing. Toutes les grosses marques que tu connais, Samsung, ils ont beaucoup d'argent, mais ils font toujours du marketing. Nike, ils ont beaucoup d'argent, ils font du marketing. Adidas, ils font beaucoup d'argent, mais ils continuent à faire de la publicité. Donc toi, tu viens à peine de démarrer. À peine tu as gagné quelques francs et tu vas arrêter avec le marketing. Ma personne, définis un budget chaque mois que tu vas injecter dans le marketing. Alors, quelques stratégies marketing. Crée une marque, pas un business, parce que les gens sont fidèles aux marques. Moi, je connais des gens qui n'utilisent que des produits Apple. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Deuxième chose, c'est que dans ton marketing, il faut que tu fasses plus de bruit que les autres. Oui, tu es là pour te faire remarquer. Tu es là pour qu'on ne voit que toi. Fais du bruit, il faut qu'on te voit, qu'on te remarque. Autre stratégie marketing, si tu veux augmenter la valeur perçue de ton produit, eh bien, augmente le prix. Mais fais gaffe quand même, parce que c'est un couteau à double tranchant. Alors, augmentant le prix, il faut quand même être sûr que ton produit est là et que le marketing est excellent derrière. C'est justement dans ce type de choses que Apple fait un carton. Deuxième élément sur lequel il faudra que tu mises si jamais tu veux faire fortune, c'est d'avoir une bonne expérience client. Oui, ma personne, à ton avis, pourquoi est-ce que Amazon est le numéro 1 en ce qui concerne les ventes sur Internet? Premièrement, c'est parce que Amazon a un excellent marketing. Et deuxièmement, c'est parce qu'ils misent énormément sur l'expérience client. Chez Amazon, quand tu appelles pour une réquisition, ça ne sonne pas pendant 10 heures. Deux minutes après, quelqu'un te prend et il résout ton problème. Et c'est très rapide. Deuxième caractéristique en ce qui concerne l'expérience client, c'est qu'il va falloir que tu dépasses l'attente de tes clients. Il faut que tu les surprennes dans ce sens-là. Ce sera par exemple de leur faire un cadeau. Parce qu'un client qui est satisfait, eh bien, dis-toi que ça te fait de la publicité gratuite. Et il n'y a aucune publicité plus efficace que le bouche à oreille. Oui, quand tu réussis à faire un client d'un client ambassadeur, c'est-à-dire qu'il parle de tes produits à l'extérieur, tu vas tout gagner. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est une bonne expérience client. Et puis, sache que le meilleur produit du monde ne compensera jamais une mauvaise expérience client. Donc voilà, ma personne, ce que je vais partager avec toi tout au long de cette vidéo. Ça a été une vidéo assez compliquée à réaliser, mais je me suis régalé à lire ce livre et à te faire le résumé. Si cette vidéo t'aura été utile, on lâche des likes, on commente, on partage, on clique sur la prochaine notification afin que tout le monde puisse en profiter, mais aussi et surtout que YouTube nous remonte en haut et que tout le monde puisse voir cette vidéo. You know. Donc ça me prouve au moins qu'on est ensemble, ça me donne plus de force pour en produire d'autres.
Deuxièmement, je te présente le prochain livre dont je ferai le résumé. On a parlé beaucoup d'argent, on a parlé de réussite. Et je pense quand même que réussir sa vie, c'est aussi réussir sa vie de couple, you know. Donc voilà. Déjà, le titre du livre, c'est « Les 20 secrets d'une relation de couple épanouie ». Donc, si déjà tu veux anticiper et commander le livre, je te mets le lien en description, commande-le. Et sinon, dans le prochain résumé, on parlera de ce livre. Donc voilà, ma personne, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble, on clique, on s'abonne, on cloche, on clique sur les cloches de notification. Je te dis à ma prochaine vidéo. Minakano.